Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo spéciale. Retour aux sources. Retour, ah ouais. Vidéo spéciale. Allez, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Plein de surprises. Avec des gens surprenants qui ont un super véhicule, voilà. Que vous savez... Qui est derrière Fabienne. Voilà. Ah, voilà. Alors, on est monté avec en montagne, super. On n'est pas monté vite, mais au moins on a apprécié le paysage. On n'est pas monté vite, mais on est monté bien. Voilà, exactement. Voilà, on a pu apprécier tout. C'est l'ancêtre du camping-car, ouais. Les amis. Hein, et la conductrice, tip-top. Hein. Ouais, hein. On va vous les présenter. C'est un peu un montre-nous ton CC, mais c'est pas vraiment un montre-nous. Non, c'est montre-nous ton combi. Voilà, montre-nous ton combi. Hein. Donc, on va vous les présenter. Et puis, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont acheté ce combi. C'est leur premier combi. Hein. Voilà. Pourquoi, comment, enfin tout, vous saurez tout. Quoi. Vous saurez vraiment tout, parce qu'ils vont tout nous dire. Ouais. C'est une super année en plus. Ouais. L'année, il est d'une super année. Voilà, allez, le combi, il est d'une super année. D'accord. Pour commencer, allez, des belles images avec le drone, le Mont Blanc derrière, le tout combi. Allez, profitez bien, mettez ça sur la grande télé. C'est parti. Thank you.
Eh bien, nous voici avec Katia et Stan dans leur super combi. Salut. Salut. Alors, pourquoi avoir choisi ce magnifique combi? Pourquoi avoir acheté un combi? Alors, en fait, ça faisait longtemps que ça nous tenait à cœur. Et là, on a flashé sur celui-ci parce que vraiment une pure beauté. Et puis, on est fan de nouvelles aventures. On a envie de toujours voir plus. Et là, je pense que dans notre région et en France, déjà, on aura de quoi faire. Et vraiment, on est très heureux d'être parti sur ce combi. Et je pense qu'on va vivre de sacrés bons moments et créer de bons souvenirs. Oui, et on voulait aussi surtout redécouvrir vraiment notre région, comme Katia vient de vous le dire. Comme vous pouvez le voir, on a un panorama qui est juste exceptionnel et on a envie de rencontrer aussi plein de gens. On voit que l'accueil est hyper chaleureux, tout le monde est en fait en train de nous accueillir. Ça réconcilie réellement avec l'être humain. Et alors, vous pouvez nous en dire plus sur ce combi, il est de quelle année? Alors, c'est un T1 Split de 1965. Qui vient de? Du Brésil. Voilà, ouais. Directement du Brésil, il a été tout retapé là-bas, il est unique, il n'y a que celui-ci au niveau de la couleur et de l'intérieur. Et arrivé ici en France, voilà, on l'a découvert et là on s'est dit, il est pour nous. Bon alors, super ce combi, capitonné et tout. Alors il a une implantation un peu, c'est ce qui t'a plu, je pense. Oui, tout à fait. En fait, eh ben, comme tu le sais, en fait moi je suis photographe professionnel. Ouais. Et en fait quand on l'a vu, on s'est tout de suite dit deux choses. La première, c'est qu'on allait pouvoir réellement en profiter pour nous, pour s'amuser. Ouais. Et moi tout de suite, en fait, j'ai vu la possibilité de faire du mariage, par exemple. Mmh. Parce que je me suis dit, bah voilà, une belle mariée, en fait, avec les capitons, les couleurs en fait restent aussi assez neutres malgré tout. Ouais. pour le mariage, ce qui est chouette. Et puis après j'ai le côté un autre un peu plus fou qui a dit une jolie fille sexy en fait en lingerie sur du capitonné, ça pourrait le faire aussi. Ah, ouais. Alors ça va intéresser nos abonnés. Non mais voilà, c'est vrai que c'est... Ouais, bah, toi, en fait pour le côté travail aussi, toi. Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment les deux intérêts. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que le combi c'est quand même un mythe. En plus, bah voilà, ouais, c'est vrai que là, au niveau, je veux dire, coloris, et puis le type de véhicule, c'était le top. Quoi. Exactement. Ouais. Et puis après, par la suite, vous allez peut-être créer un aménagement pour aller partir en vacances avec. C'est ça, exactement. Ouais. Alors l'idée, c'est surtout aussi de ne pas trop, en fait, justement, le dénaturer. Ouais. En fait, on voudrait voilà, avoir quelque chose qu'on peut enlever facilement, justement, encore une fois, pour pouvoir le garder lors des mariages. Et puis se dire, bah, nous, si on a envie de partir, qu'on ait un petit côté sympa, en fait, aménagé et tout. Et puis de partir à l'aventure, enfin, c'est à nouveau l'idée de l'esprit combi, en fait, il est vraiment là-dessus, rien qu'au bruit, quand on le met en route, je pense que tu le feras écouter tout à l'heure, voilà. Ouais. Et du coup, tu te dis, en fait, à chaque fois, voilà, on a un vrai esprit communautaire, en fait, qui est très sympa, et qui est aussi la liberté, en fait, hein, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, derrière tout ça. Et moi, j'aime vraiment ça. Et puis, encore une fois, ben, notre région, je pense, va nous permettre de redécouvrir des endroits vraiment sympas. Ouais, puis je pense aussi, il y a un truc qui risque d'être vraiment sympa, c'est que un combi ça attire de toutes les générations. Ouais, aussi bien les jeunes que les plus anciens. Je pense que les gens viennent plutôt vers toi. Alors déjà t'as déjà plus de contacts déjà. Ouais. Tout à fait. Bah même là, quand on est allé le chercher hein, la première fois, on s'en est vraiment aperçu. On s'est arrêté à Aix-les-Bains, où on avait aussi une vue absolument magnifique. Et spontanément, en fait, tous les gens, hein, que ce soit vraiment les motards, que ce soit tout ça, en fait, ils sont venus spontanément vers nous. Tout le monde disait « Oh, il est trop beau et tout, vous devriez faire payer et tout ». On était trop contents. Et puis en même temps, même le long du lac, en fait, on voyait les gens qui nous faisaient signe et tout. Moi, je disais à Katia « Ouais, regarde, tous les gens, ils se revoient en fait, avec leurs pantalons à fleurs en fait en train de fumer des pétards dans les années 60 et tout. Franchement, on était vraiment dans cet esprit là à se dire mais c'est trop sympa en fait. Ouais, il y a l'esprit, c'est ouais, l'esprit, exactement. Ouais, l'esprit cool, tout ça. En fait, c'est la base du camping-car. Ouais. Au départ, c'est tout parti de là. C'est ça. Dire, voilà. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une approche, et puis ça peut être vraiment sympa. Hein. C'est sûr que si vous partez à l'aventure comme ça, avec juste une petite glacière, un truc, allez, on y va, on met un matelas, on y va, on verra bien où c'est que. Exactement. Voilà. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va le vivre. Ouais, je pense que c'est comme ça que vous allez passer des bonnes vacances, parce que c'est vrai que maintenant on est vraiment dans une société où tout est planifié, voilà. Verrouillé. Là justement l'intérêt c'est ça, tu vois, même le chien en fait il est arrivé, on a ouvert le combi tout de suite, le chien il est venu là avec nous et on s'est dit bah il faudrait presque repartir, quoi. Ah, tu vois, sans se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prépare, non allez on y va et puis on verra ce qui se passe. Quoi. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment ça. Ouais.
Et puis, alors peut-être, est-ce que vous allez faire deux, trois meetings, combi ou des trucs comme ça? Ouais, alors je pense, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais au vu en fait de l'accueil qu'il y a avec les gens, en fait, de voir aussi toutes ces personnalités, en fait, qui ont l'air beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus tournées vers l'humain et ouais. Tout, je me dis, ben, c'est chouette en fait de vivre une aventure comme celle-ci. Et je pense que ouais, on va faire des belles rencontres également dans ces moments-là. Et puis, au vu de la création en fait qu'ont certains, on va peut-être pouvoir aussi choper des idées en fait, et des contacts qui seront chaleureux. Et puis pourquoi pas, bah, peut-être créer quelque chose en fait avec d'autres personnes aussi au final. Et puis toi, bon, de par ton métier photographe, ouais. Katia aussi, je pense qu'elle travaille aussi. Elle a travaillé et elle travaille un peu dans l'animation et tout. Donc déjà au départ vous n'êtes pas pris avec rien quoi, c'est clair. Et de toute façon ça c'est sûr que nous on peut vous dire avec Fab, parce qu'on a fait déjà les deux meetings francs on les a fait, Flay et Chérizet, ouais. Et nous on peut vous dire qu'il y a une ambiance terrible, que les gens sont cool. Il y a tout, hein. Il y a des jeunes, des moins jeunes, ouais. Ils sont tous amoureux du combi, ils se rejoignent tous, c'est des barbecues, c'est on boit des coups ensemble, ouais. Je veux dire, voilà. On peut vous dire que de toute façon, c'est top. Il y a de la musique, il y a des concerts. C'est ça ce que j'allais dire. Voilà. Les marshmallows, en fait, ouais. Au coin du feu. Ouais, je pense que c'est bien parti. Non, mais ça, c'est ça top. Fait rêver. C'est top. Enfin, bon, en tout cas, il est super beau. Et puis nous, on se sent bien même dedans, en fait, ouais. Tu vois. Pourtant, là, on n'a pas fait d'aménagement spécifique, mais rien qu'en fait, quand tu es dedans, tu te sens déjà bien. Et ça laisse, en fait, justement, une ouverture à se dire, ça va vraiment être chouette. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pas trop dur les vitesses, Katia, là? Je commence à m'y faire, ça va beaucoup mieux, mais alors au début c'était pas très très simple hein, quand même. Hein. La marche arrière est en même temps que la deuxième, donc effectivement c'est un petit coup à prendre, mais après c'est nickel. Et la direction assistée, pareil qu'elle est top. Ah, elle est excellente, franchement, pour voir les manœuvres, je me régale. C'est génial. Bon, Stan, la clim, c'est... Ouais, ventilation extérieure, ouais. Tu fais comme tu veux en fait, hein, tu peux la régler. Et j'en ai une également ici, fait, tu vois, qui me recoiffe en même temps. D'accord, c'est génial, c'est génial, il y a tout ce qu'il faut là. Exactement, hein, le bonheur à l'état pur. Voilà. Ça manque la musique, mais normalement on devrait entendre... Run, run, get around, I get around, get around, woo, I get around. Down.
je freine tellement fort, mais c'est un truc de dingue. Tu mets jamais il freine quoi. Vu comme il est beau, presque peur quoi. Vraiment, tu peux pas prendre de l'élan, tu es dans le champ. Avec lui de finesse, non mais. Non, mais j'ai pas envie de faire lui de finesse. Mais... Pareil au stop, t'arrives, tu freines, au stop. C'est long, mais. Non, j'étais en train. Oh, mais Katia, tu t'en fous, t'as le permis camion. Ouais, c'est ça. J'ai le permis car. T'as le permis car. Permis car. Mais c'est les cars aujourd'hui, ils sont bien équipés, ouais. Ils ont de nouvelles technologies, c'est les biens. Ah mais ça c'est la conduite à l'état pur ça. C'est comme le buggy, c'est à l'état pur. Ouais, pas ça. De direction assistée, pas d'assistance au freinage, rien du tout. Ah bah là. C'est ça qui est bien. On peut dire qu'on retourne. On ressent la route. Voilà. On est en 65 là, c'est bien, voilà. C'est bien la bonne date. Hein. C'est le plaisir de conduire. C'est ça. Et de conduire, observer, et regarder le paysage, on est top. Ouais, c'est moins bien pour ceux qui sont derrière, mais... Bon, on s'en fout, ceux qui sont derrière, ils sont derrière. Oh, c'est pas ouais, c'est fou, là. Ouais. Non, ouais, des voitures. Ah. Au début, j'ai bien Katia le dit pas, j'ai fait craquer la vitesse, elle, j'ai fait racler. Elle est dans la piscine, regarde. Pas mal là. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est là qu'on a bien le vie. Hein. Elle était belle là, sa piscine. Ouais, elle était belle. Ouais. C'est peut-être la première fois que je la dernière fois. Bon, eh bien, chers amis abonnés de Filet Fab et non abonnés, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas abonnés, bien sûr, ça, hein, on le sait. Ouais, bah, rejoignez-les. Il y en a qui n'appuient pas sur les pouces, il y en a qui n'activent pas cette putain de cloche. Enfin, ça, on le sait, on n'arrêtera pas de le dire, voilà. Cette super petite vidéo se termine. Ouais, se termine. On a passé un super moment avec Katia, Stan et Wendy. Mmh. À la montagne, avec un magnifique paysage, un magnifique combi qui est de mon année. Hey, c'est mon conscrit, le combi. Bonne année, une bonne année. Voilà, une bonne année. Ouais, comme ça, vous savez, Fabienne, quel âge est là. Voilà. Non, mais de toute façon, il y en a plein qui m'ont demandé ça. Je n'ai jamais osé le dire, de peur de me faire engueuler, mais maintenant, vous savez. Bah oui, hein. Bon. Sinon, Fab avait quelque chose à vous dire. Oui, alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, c'est une des dernières vidéos de l'été, parce qu'on va prendre des vacances. Alors, maintenant, le samedi matin, à 7h, vous pouvez continuer de dormir. Vous n'êtes pas obligé de vous lever pour nous regarder, parce qu'on va faire une petite pause. Et puis, on vous rejoindra peut-être dans l'été, on va remettre une vidéo, je ne sais pas. C'est suivant l'humeur, suivant où on va, suivant ce qu'on fait. Suivant la motivation. Donc, suivant la motivation. Là, on fait une petite pause. Voilà. Alors, bonne grâce matinée du samedi matin. On va pas oublier, parce que sur cette vidéo, pour Stan, Wendy, Katia, Phil et Fab, bon, on s'en fout. Hein. Mais au moins, vous mettez des pouces. Voilà. Mettez des pouces ouais, bleus. Ouais. Vous mettez le pouce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre. Si les combis, ça vous plaît pas. Si. Et je voulais dire, si vous voulez vous marier dans un beau combi. Ouais. Ah, alors vous contactez Stan, alors on vous met l'adresse ici, ouais. Et il y aura les coordonnées sous la vidéo. En description. Il y aura son site internet, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut pour pas le louper, hein, contacter pas le... Stan pour un super mariage. C'est gentil. Voilà. Ou un divorce, ou la lingerie sexy. Un enterrement de vie de jeune fille. Voilà. Aussi, ouais. N'importe quelle photo. Ouais. Hein. On est prêt. Voilà. N'importe quelle photo, vous pouvez contacter Stan, il n'y a aucun problème. Alors sur ce, voilà, comme d'habitude, mettez un pouce. Un pouce. Hein. Un pouce. Abonnez-vous. Ouais. Alors je compte sur vous. Activez. La cloche. Non, activez cette putain de cloche. Et puis, à la prochaine. Un commentaire. Hein, un commentaire, ah oui, vous mettez un commentaire. Hein. Mettez bien un commentaire sympa. Et puis, bis à tout le monde, passez de bonnes vacances. Bonnes vacances à tous, ouais. Et puis à bientôt. Ouais. Et un bel été. Ciao. Ciao. Allez, ciao.
même. Hein. On a fait dire, bip là. Ouais. Ça clignote rouge, non, parce qu'elle m'a déjà fait le coup, je sais pas combien de fois. Ah oui, ou t'enregistres, tu fais ton truc, puis... Ça clignote rouge, là. Hein? Oui, c'est bon, vous êtes dans la boîte, là. Ouais, c'est bon. Ok, ça marche, on mettra à la fin. Ouais. Ok.